ascend the Iron Throne. Bonjour à tous, c'est parti pour les réactions donc au spin-off de Game of Thrones, le tant attendu. Écoutez, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que va raconter ce préquel. Étant donné que je n'ai pas lu les livres, je ne pourrais pas faire de parallèle ou de référence donc au bouquin. Je ne jugerai que la série. Donc par rapport à ceux qui ont lu les livres, vous connaissez le fin mot de l'histoire. Hein. Je me doute pertinemment que ça va partir en couille et que les personnages sont techniquement morts à l'heure de Game of Thrones, donc ça voilà, je n'ai pas de surprise là-dessus, mais j'ai hâte de savoir ce qu'on va raconter, quels vont être les enjeux, et surtout découvrir le personnage de Matt Smith, un acteur que je trouve extrêmement talentueux. Donc c'est parti pour les réactions, ce sera tous les mardis à 17h, suivi d'un live à 21h, on est parti, let's go. Ok, donc là on est en pleine puissance des Targaryens quoi. Ok, Viserys, il est sacré acteur lui aussi. Hein. Ah ouais, on t'indique direct que ça va partir en couille, hein. On te le dit. Hein. Ok, c'est cool l'indication. Par contre, le générique, j'espère que c'était une blague. Ah ouais, la série, elle a pas le temps. Elle a pas le temps, la série. Visuellement, c'est c'est un délire. Ah, c'est extrêmement bien fait. Hein. J'ai terminé la saison 8 hier. Ça fait bizarre de replonger directement à Westeros là. Quand on sait comment il finit celui-là. Le compositeur qui a retravaillé les musiques derrière, j'aime beaucoup aussi. My lords, the growing alliance among the free cities has taken to styling itself. Demons urging. Il a l'air cool le daron en vrai. Ah, c'est Daemon, c'est Matt Smith, je suppose. Il a l'air très à la cool en fait, le daron. Me dites pas qu'il est assis sur le trône, l'autre. Cette scène veut tout dire déjà. Ça veut tout dire. They are searching the text. Ah ouais, donc tu là ils ont mis en place vraiment. On sait que ça va partir en couille quoi, hein. C'est une évidence. Pour un mec comme moi qui n'ai pas lu les livres, c'est vraiment un plongeon dans l'inconnu, donc c'est plutôt cool. Ça fait trop. Je suis vraiment content de voir Matt Smith dans ce genre de rôle moi. What? Il lui a littéralement coupé une couille! Hop, là, que je te pose la tête ici. Ah, c'était vraiment une scène pour le montrer la violence du personnage. Hein. Drôle de façon de faire quand même, hein! Ah ouais! Oh, tu sens que ça va être un sacré problème! Et puis le roi il dit rien, comme s'il craignait un peu le frangin, quoi. Hein. Allez, on te met un peu de cul, histoire de dire qu'on est dans Game of Thrones. Ah, il est contrarié le démon! Il y arrive pas! Je pense que le roi, il a peur aussi un peu de son frère, j'ai l'impression. Ouais, voilà, il est ultra laxiste quand même. Hein. Lui, c'est sa descendance, c'est rien d'autre. T'imagines, tu prends ça dans pleine gueule, bah tu meurs en fait. Le voilà, regardez-le. Les armures sont belles, je trouve. Hein. Elle aime bien son oncle, elle, hein. Oh putain, elle accouche.
Bah ça va être une césarienne, mais la mère va mourir. Il a un sacré flow lui par contre. Hein. Oh. On a du gore pour du gore un petit peu. Hein. Oh la gueule. Je le sens bien lui. Lui je le sens bien. C'est Damon qui a pris un coup. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Oh, Damon qui s'est fait... Oh, oh, Damon, ça se voit, c'est un rageux. Et c'est le fils de la main du roi, en plus, non? J'aime bien qu'on te montre la violence, en fait, des deux côtés. Et lui, c'est un barge. Oh! Il a perdu, ça va être un sacré affront déjà hein, pour lui. Hein. Alors c'est quoi du coup? Ce qui veut dire que Damon ne pourra pas avoir le trône pour l'instant. Attendez, mais frère, il est mort le gosse? Ils ont perdu la mère et le bébé. Ils ont perdu la mère et le bébé. Damon, dans sa tête, il doit être en feu. Ah! Personne ne veut de Damon sur le trône. Hein. Ah ouais! Moi j'aurais peur d'être la main du roi avec un démon dans les parages. Hein. J'aime bien le roi parce qu'il fait contraste un peu avec les autres pour l'instant, hein. Mais ça m'a l'air d'être un bon gars. Ah ouais, démon c'est les orgies direct, il a pas le temps. Hein. Prince Damon bought out one of the pleasure houses on the Street of Silk, styling him the heir for a day. Aïe aïe aïe. Did you say it? Oh, franchement, les enjeux sont tellement bien mis en place. But instead of being by my side or Rhaenyra's, you chose to celebrate your own rise. Anywhere but by your side. 10 years you've been. Oh putain, ça va partir en couille avec la main. Stands to inherit nothing he doesn't seize for himself. You're weak, Viserys. Sa fille. You are to return to Runestone and your lady wife at once. Aïe 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 aïe, il y a une cassure là. Là il y a une cassure. C'était déjà cassé mais là. Sorry, Rhaenyra. I have wasted the years since you were born. Damon, il va péter un câble. I pledge fealty to them and shall defend them against all the terrible winter gusting out of the distance. Oh là! Ah ouais, on parle des marcheurs blancs là. La pauvre, elle voulait pas tout ça elle. Seigneur des sept couronnes et protecteur du royaume. Je me régale. Pas elle. Je me suis clairement régalé pendant 1h05. C'était un retour à Westeros parfait. L'intro est géniale puisqu'elle permet de replonger dans l'univers et de comprendre la timeline, hein. On nous explique où on est par rapport à la naissance de Daenerys
Et on nous fait comprendre les enjeux sur les deux premières minutes quand le roi explique que c'est sûrement la maison elle-même qui va détruire les Targaryens. Donc on a une belle intro qui te fait comprendre où on est et direct, on t'en met plein la vue, des dragons, des effets spéciaux parfaits, des plans, des costumes, les décors vraiment somptueux, on va pas se mentir, c'est vraiment très joli. Et on va te présenter les personnages, les enjeux sans perdre de temps, tout en travaillant bien évidemment tout ça. C'est un épisode complet, c'est un bel épisode d'intro, il y a vraiment tout, aussi bien dans la réal que dans l'écriture. Honnêtement, c'est vraiment excellent. Et on va parler donc des trois personnages que je trouve particulièrement intéressants et les trois qu'on va mettre vraiment en avant. Viserys, sa fille et Daemon. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ces trois personnages, c'est que c'est des personnages qui sont tous les trois différents, qui n'ont pas du tout la même conception des choses. On a sa fille qui fait clairement penser un peu à Arya, elle a envie de voyager, elle n'a pas envie d'être reine. On a le père hein, qui est sympathique, hein, faible comme dit Daemon, mais on va en reparler parce que ce passage était particulièrement intéressant je trouve, et qui peut nous faire comprendre que Daemon n'est peut-être pas le vrai méchant de l'histoire. Mais donc on découvre un roi, Viserys, plutôt sympathique, faible, hein, comme je disais, qui aime sa femme et qui veut à tout prix un héritier. Alors est-ce que c'est en rapport avec le fait qu'il ait une blessure un peu particulière dans le dos qui lui donnerait cette envie d'avoir à tout prix un héritier? Est-ce que c'est pour éviter que Daemon monte dessus? Il y a plein de choses, je pense qu'on le traitera beaucoup plus par la suite. Mais ouais, il est appréciable, disons que c'est la première fois qu'on voit un roi un petit peu laxiste comme ça, un petit peu à la cool, je trouve. Donc j'aime beaucoup. On sent finalement, en fin d'épisode, qu'il est peut-être entouré de personnes qui profitent de lui, puisque Daemon lui dit à la gueule clairement, « Tu es faible, Viserys, avec moi. » En tant que main du roi, je t'aurais conseillé, j'aurais été bon pour toi. Puisque lui, il sent clairement hein, que le Otto, la main du roi, il est pas très franc du collier. Il y a une certaine tension entre lui et Daemon. Et on voit bien à la fin la main du roi qui demande à sa fille de mettre une belle robe et d'aller réconforter le roi. Hein ? C'est quand même un peu étrange cette manière de faire, comme si Otto cherchait à tout prix, pourquoi pas plus tard, lui être sur le trône ou sa descendance. Donc moi, la main du roi, je me méfie vraiment, et je pense que Daemon l'a compris. Comme une impression que l'épisode a envie de te faire croire que c'est Daemon le méchant, et finalement, au fur et à mesure, on va se rendre compte que c'est peut-être ceux qui entourent le roi, étant donné qu'il est faible, ils en profitent un petit peu. Après, vous dire que Daemon, c'est le bon samaritain, attention à voir, hein, on connaît les rebondissements dans Game of Thrones, bien sûr moi je n'ai pas lu les livres, je juge ce que j'ai eu dans cet épisode, mais bon on a quand même Daemon qui est assez violent, qui espionne, qui dragouille un petit peu sa nièce qui a l'air aussi d'être plutôt, on sent qu'elle aime bien son oncle. Mais c'est un trio voilà, qui marche bien, le père, la nièce et l'oncle, on a envie d'en voir plus, clairement. On ne sait pas encore sur quel pied danser, est-ce que le roi va garder toujours cette sympathie, est-ce que Daemon ne va pas complètement craquer au fur et à mesure des épisodes, étant donné que maintenant il n'a pas accès au trône, est-ce que la fille aussi ne va pas complètement vriller, puisque elle ne voulait pas être reine, hein, elle nous le fait comprendre dans l'épisode. Donc on a un petit trio qui fonctionne bien. Et de l'autre côté, on a aussi des personnages, comme je dis, comme la main du roi avec son fils et même sa fille, qui me semble aussi, voilà, comme je disais en début de critique, pas très franc du collier. Donc je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose de leur part. Alors peut-être pas tout de suite, mais l'épisode te le fait comprendre. On retrouve vraiment bien l'ambiance de Game of Thrones, hein, très politique. J'ai trouvé que c'était aussi super bien rythmé. C'est pas un épisode d'action, mais entre la scène du tournoi, les passages avec Daemon ou autres, je trouve que ça passe très très bien. C'est très joli, la photo est très belle, la luminosité aussi, il y a des plans qui sont excellents. C'est ultra bien narré, et on a clairement envie de voir la suite. Je veux dire là, il me tarde d'être lundi prochain. J'avais pas trop de doutes honnêtement sur ce spin-off, puisque HBO c'est quand même une grosse chaîne et je pense qu'ils avaient vraiment l'envie de faire quelque chose avec ce spin-off. C'est pas sorti un an après la fin de Game of Thrones, c'est sorti presque 5 ans après.
comparé à Walking Dead qui sort des spin-offs tous les mois, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y avait vraiment l'envie de faire quelque chose, et pour l'instant, oui, c'est une très belle réussite. On nous montre plein de personnages différents, et surtout, on devine potentiellement, je dis bien potentiellement, les enjeux, puisqu'on est dans l'univers Game of Thrones. On se doute personnellement qu'il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des retournements de situation, on n'est pas prêt, hein, clairement. Je pense que ça va venir de Daemon, du roi, même de la... Enfin, ça va venir de tout le monde, je suis sûr. Tout va commencer à exploser, je pense, d'épisode en épisode. Je verrai bien une fin qui termine en queue de poisson. Mais ouais, les personnages sont très appréciables. On a quand même un lourd casting, hein. Non, parce qu'entre Viserys, Matt Smith, voilà, même la main du roi, c'est des lourds acteurs, hein. Ça a joué dans Peaky Blinders, des Spider-Man. Enfin voilà, c'est des acteurs qui ont quand même une belle filmographie, donc c'est pas n'importe qui. Je trouve qu'ils sont très, très convaincants. J'ai hâte de savoir ce que nous réserve cette nouvelle aventure. Je vous cache pas que la plus-value de l'épisode, c'est aussi Matt Smith, hein. Il est assez impressionnant en tant que Daemon. Je trouve que les autres personnages sont très bons, les acteurs sont convaincants, mais c'est vrai que dans l'épisode, on met vraiment en avant Matt Smith, et il a ce charisme naturel. Ce gars-là, je l'avais déjà dit, il est très bon, et tu le sens. Tu sens que Daemon, c'est un personnage qu'on va apprécier, et je pense qu'il nous réserve beaucoup de surprises, puisque comme je le dis en début de critique, c'est peut-être pas lui le grand méchant de l'histoire. Y a des scènes gore, y a du sexe, on est dans Game of Thrones, clairement. Je vous cache pas que la scène de l'accouchement est très dure, aussi bien sur le plan moral que physique, puisque le roi va devoir faire un choix. Soit ils meurent tous les deux, soit il sauve son enfant. Sauf que malheureusement, il va les perdre tous les deux, puisque sa femme et son enfant vont mourir, ce qui est d'autant plus dur. En plus, la scène est terrible, hein, puisque la femme ne voulait pas souffrir, donc c'est vrai que c'est assez prenant. C'est bien, dans le sens où on est dans la Game of Thrones, quoi. Voilà, on veut du sang, on veut du sexe, mais c'est trop bête à dire, c'est con, mais c'est Game of Thrones, quoi. Je veux dire, à un moment donné, voilà, y a des morts, y a du cul, y a du sang... c'est pas un univers qui retient ses coups, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus ce que je cherche dans Game of Thrones, hein. Je vous cache pas que moi, ce que j'aime dans Game of Thrones, c'est la politique, ses personnages et certaines batailles. C'est Game of Thrones, mais c'est vrai que l'ingrédient comme le sexe, la violence, ça fait partie de l'univers en soi, ça lui appartient aussi, donc il en faut un petit peu. Je veux pas de ça à chaque épisode ou toutes les 10 minutes, mais c'est vrai qu'il en faut, et pour l'instant, on n'a pas adouci la recette, au contraire, ça ressemble clairement à la série mère, et c'est très bien. On se voit donc la semaine prochaine, hein, pour l'épisode 2, la réaction de l'épisode 2. Mettez un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, et on se voit aussi, n'oubliez pas, ce soir à 21h, comme tous les mardis, on fera des lives avec Say My Name pour parler des épisodes du jour.